T'es sous la chaîne de Slingai. Merde à court de munitions. Yuppie-kai. Clash de la drague. Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Go Romano. Allez, allez. Merci Pamela, merci. T'as pas des pom-pom girls, des cheerleaders? Bah normalement j'ai Marie, mais t'es... Quoi? Je suis... Chronobo. Moi j'attends de voir ce que vous... Si j'arrive pas à la motiver, quoi. Alors, on les met... Aïe, les Ken. C'est pas mal, ça. Alors, Cédric, une méthode... Une méthode bien trouvée ce soir. C'est ça, ouais. Trouve. Moi, ce soir, je gagne l'euro-million, je suis blindé et je vais faire kiffer les femmes. Voilà, et j'achète une table à repas en diamant. J'achète la totale. Encore, mais t'en fais la collection ou quoi, tes tables à repas? J'en aurais deux. J'en mets partout. Voilà, faire un repas en or massif. Voilà. Bon, et Romano, une méthode pas mal non plus. C'est la méthode de la panne d'essence. Je suis en panne d'essence, je demande le logis aux familles et pour les remercier, je leur propose mon corps nu et mon sexe dur. Et elles en ont de la chance. Eh bien, c'est parti, premier coup de fil. Eh bien, c'est pour toi, Cédric. Allez. On file quelque part en France, chez une famille. On y va, c'est qui qu'on appelle? Pascal. Attention. Allô? Ouais, bonsoir Pascal, comment ça va? Yo, c'est qui là? Bah, je me présente, je suis Michel, j'ai gagné à l'euro-million là. C'est vrai? Ouais, alors, ouais, je te jure. Je suis salarié, espèce, donc je fais... Je peux venir à la maison? Je me rappelle encore une fois, je porte plein de... Est-ce que tu veux que je vienne à la maison? Tu veux que je vienne à la maison, Pascal? T'as l'air tendu. Ouais, franchement, j'aimerais bien venir, tu vois, parce que ta femme m'excite. Et puis bah là, je voulais venir avec mon jet privé chez toi. Mmh. Je suis pas très loin. Pascal? T'es qui, toi? Bah t'es en panique ou quoi, mon gars? T'es qui, toi? Je t'ai dit, je suis Michel. Michel, le nouveau millionnaire. Et ce soir, ta femme, j'aimerais bien lui faire la fête. Vas-y. Écoute-moi bien. Je suis son fils. Tu sais quoi, je vais aller le réveiller. Je te donne rendez-vous dans 10 minutes au 22 Grand Rue. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, bah je serai là, t'inquiète pas. Ah, tu seras là? Ouais, bah bien sûr, je serai là. Passe-moi ton père, je vais régler ça, c'est une affaire d'homme. Viens. Bah passe-moi ton père, c'est une affaire d'homme, ça. Viens. Bah je suis pas loin, je suis là dans 5 minutes, je t'ai dit. Bah viens, ramène ta gueule. Avec mon jet, dans 5 minutes, je suis là, mon pote. Ramène ta gueule, fils de pute, je pisse à l'arrêt, moi. Eh, je vais te faire un petit frère. Ça te dirait d'avoir un petit frère ou une petite sœur? Oula. T'es qui, toi? Bah je t'ai dit, c'est Michel, ton futur beau-papa. Appelle-moi beau-papa. Allô? Mais attends, tu sais à qui tu parles, mec? Ouais, je t'ai dit, ouais, t'es le fils de Pascal. Passe-moi ton père, d'ailleurs. Que je règle ça. Tu veux que je réveille mon père? Entre bonhommes, quoi. Tu veux que je réveille mon père? Ouais, c'est ça, tu comprends bien. Et tu vas raccrocher quand je vais te le passer? Non, je raccroche pas, t'inquiète pas. Je viens direct, là. Ton papa, je vais lui faire un petit câlin, d'ailleurs, aussi. Il paraît qu'il aime ça. Bon, tu me le passes ou pas? Klaxonne dès que t'es devant, klaxonne. Ouais, t'inquiète. Avec le jet privé, je vais faire un petit coup de klaxon. Bon, ben voilà, c'est invité par le fils de la famille. Ouais, par contre, les klaxons, ils craignent. Non, si, sérieux, t'en as pas un autre? Par contre, non, mais on va le changer. Il n'y a pas beaucoup d'amour ni de sexe. On va le changer dans le jet. Bah, si, je vais lui faire un petit frère. Oui, qu'est-ce que tu veux de plus? Cédric, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une invitation, il t'a donné son adresse, il t'attend. Par contre, c'est homosexuel, ça va pas le faire. Non, tu vas juste te faire dérouiller la gueule. La famille, elle a pas dit non, mon gars. Ça va encore t'arranger. Bien sûr, allez. Bon, Romano, c'est à toi. Allô? Oui. Ah, ouais, allô? Jean-Marie. Ah, tiens. Oui. Yaoul, comment vas-tu? Nique ta mère. Comment vas-tu? Ah, c'est Jean-Louis, là, l'appareil. Qui? Jean-Louis. On se connaît pas encore. Je suis tombé en rade d'essence, là, pas loin de chez toi. J'ai vu de la lumière. Est-ce que je pourrais venir me réfugier chez toi, le temps qu'on fasse le plein? Jean-Louis qui? Jean-Louis David, le coiffeur. Le coiffeur. Ouais, coiffeur, ouais. Et je suis tombé en rade d'essence, là, à quoi, 200 mètres de ta baraque? Le coiffeur, Jean-Louis David. Ben, Jean-Louis David, le coiffeur, là, des fois, je passe à la télé. C'est un ami de Franck Provo. Je coiffe les stars, moi. Hein? Je coiffe les stars. Quoi, les stars du village, quoi. Oui. Ouais, je coiffe Monsieur le maire, par exemple. Eh ouais. J'ai fait sa belle raie sur le côté. Ouais. Et là, je vais arriver chez toi, là, d'ici 5 minutes. Ouais, ben, c'est pas la peine. Ah, si, ben, il faut que je fasse le plat à ta femme, hein. Quoi? Il faut que je fasse le plat à ta femme. Le quoi? Le plein. Le plein de quoi? Bah le plein de sperme. Oh. N'importe quoi, mon gars. Bah j'arrive. Va remplir. Bah j'arrive, hein. Je suis plein, c'est là. Pas la peine, hein. Si, je suis plein comme un tonneau, là. Eh non.
Ça coule, le jus coule. Eh non. Ah ouais. Non, non, ça même pas une invitation. Oh, voilà. Oh, les oreilles et tout. Le mec, il comprenait pas le plein, le plein. Ah, tu t'es fait jeter en l'air. C'était Jean-Marie. Ouais, bon, on a rigolé, tu vois. Il y avait mais pas y a rien. Il y a même y pas, avait pas d'agressivité comme chez toi. Toi, il y avait que de l'embrouille. Il était sympa, ce Jean-Marie. Bah, super sympa. Oui, oui. Ta gueule, toi. Nique ta mère. Tu fais le clash du rire. Eh oh. Bon, on va chez qui? C'est, je sais pas, c'est on va chez Frédéric. Frédéric, allez. Fred. Ouais, c'est Fred pour toi. Moi j'ai déjà une invitation, mon adversaire il a rien. Allô Fred ? Ouais. Ouais, bonsoir, comment ça va ma poule ? Bah t'es qui toi ? Bah je me présente, je m'appelle Michel et je viens de gagner à l'euro million là vendredi. Du coup, je voulais prendre un jet privé, venir voir ta femme ce soir. Ouais, je sais pas, m'exciter la semaine dernière, je me suis dit tiens, Fred, j'irais bien lui rendre un petit coucou. Lui faire un petit coucou. Lui rendre un petit coucou. Chut. Allô ? Oui. Ouais, donc du coup, je voulais venir à la maison. Ouais. Je peux venir m'occuper de ta femme, ça te dérange pas ? Non, tu sais, mais t'es qui toi ? Michel, le nouveau millionnaire. Michel, le nouveau millionnaire ? Mmh. Et je sais pas, ta femme elle m'excite, j'ai envie de faire l'amour avec ta femme. Depuis vendredi, je suis excité. Comment ? Depuis vendredi, je suis excité, j'ai envie de faire l'amour à ta femme. Ah bon ? Ouais. Tu veux que je te la passe ? Bah écoute, si tu veux, ouais. Ouais, tiens, la passe. Bah merci mon chéri, à tout de suite. C'est cool. Ah. Allô ? Allô ma belle, comment ça va ? Allô ? Oui ? Ouais, je voyais avec Fred, là. Je vais venir à la maison pour te faire l'amour. C'est bon, tout est prêt, il m'a dit. Hein. Ah bon ? Ouais, ouais. Il m'a dit en plus que t'étais excité. Ma chérie, je peux te dire que ce soir, je vais te faire l'amour. Tu vas t'en souvenir. Ah bon, bah écoute, Ça vient. T'es prête ? Je vais remballer. T'es prête ? T'es prête, ma chérie ? Bah, elle est à fond, là. T'es épilée. T'aurais pas dû prendre la faute. Allô ? Je pense qu'elle est déjà enlevée. Je peux fermer ta gueule. T'aurais pas dû prendre la faute. Ouais, bon, Fred, c'est bon. Ta femme, elle a été moyennement chaude, mais je vais quand même venir. Ouais, bah, tu viens quand tu veux, mon gars. Dans le pire des cas, dans le pire des cas, je te ferai l'amour à toi. Bah, toi aussi. Bon, bah, nickel. On fera l'amour ensemble. On va mettre ta femme de côté, d'accord ? Ok, ça marche. Ça sera plus chaud, mon chéri. Ouais, oui. Prépare ton anus. D'accord. À tout de suite, j'arrive. Ah, vas-y. Et voilà. Dommage qu'il y ait eu la femme. Et dans ton cul, ouais, mon gars. C'est quand même dommage qu'il y ait eu la femme. Ah, non, mais pas de dommage. Tu t'es rattrapé sur le mec. J'ai tiré Fred. On va dire qu'elle a refroidi l'ambiance, c'est le coup. C'était pas la meuf la plus chaude du monde. Non, la meuf, c'était pas une chaudière. Ouais, mais j'ai rattrapé l'affaire avec Fred, tranquille. Oui, c'est bon, on a compris. Ça fait 5 fois que tu le dis. Je crois qu'on a... Alors, je voulais vous dire, j'ai rattrapé un truc avec Fred. Si. Ah, mais depuis tout à l'heure, tu suis sur mon appel. Faut bien que je le défende. Attends, oui, mais tu peux varier sur les phrases, tu vois. Bon, alors, je voulais te dire, je serai Fred. Une invitation chez le fils à Pascal. Fred, je vais lui faire l'amour. Allez. Putain, le mec, il fait mal à la tête. Et mon adversaire, derrière. Attends, Romano. Sortez de l'île. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment c'est, bonsoir, c'est la femme de Gilles. C'est ça. Oui. Oui, est-ce que Gilles serait disponible pour le téléphone? Oui, je vous le passe. Ah, c'est bien sympathique. Merci bien. J'ai une petite galère, je suis pas loin de chez vous, là. Allô ? Ouais, Gilles, comment va ? Et vous êtes qui ? C'est Jean-Louis, là. Je suis en galère d'essence, là, avec ma voiture, à 200 mètres de chez toi. Ouais, je connais pas Jean-Louis, là. Ouais, mais moi, j'ai vu ta femme, et je me suis dit, tiens, j'irais bien me réfugier dans son anus ce soir. C'est froid ? Oui, est-ce que je pourrais rentrer, là, vite fait ? Pas sûr. Aïe, 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 ça galère, là. Allô ? C'est parti. Aïe, gueule. C'est parti. Allô ? Il est pas parti. Ouais, non, mais là, je pense qu'il y a une erreur. Hein. Non, il n'y a pas d'erreur. Je vais venir, là. Je vais venir me réfugier dans l'anus de ta femme. Pas sûr. Putain, mais ta gueule. Mais c'est dingue, il ça, quand content. Même. C'est je... Tu veux un troisième? Je prends un rappel, vas-y. Je prends un rappel. Je prends, écoute, je tente le rappel. Ah, putain. Où j'en suis, je tente tout. Allez, un rappel pour Romano. Ouais, peut-être même deux rappels, du coup. Non, c'est, après, t'as pas le droit. Ça va. Attends, il y a pas le droit, l'autre, il a déjà rappelé quatre fois le même mec. Une soirée rappel, quoi. C'est vrai, mais, fois, ouais, bien sûr, ouais. C'était une soirée où il avait galéré, ça faisait un mois qu'il galérait. Attends, Cédric, il envoie de mauvaises ondes sur mes familles. Ah non, du tout. Tu crois? Ah, est-ce qu'il ouvre sa gueule? Non, c'est même pas vrai. Bah, qu'est-ce que tu fais, là? Bonjour, vous êtes sur le rappel. Toi, t'as le droit de parler, moi j'ai pas envie de parler. Et le rappel nous amène dans le mur. Et voilà. Quoi. Aïe, aïe, putain de merde. Romano, attention. Bordel de merde à queue. Quoi. Pour te motiver, une chanson pour toi et une chanson pour Cédric, pour motiver Cédric. 3, 4 pour Romano. Romano, il faut voter Romano. Surtout pas. Romano, il faut voter Romano. Romano, il faut voter. Faites pas ça. Romano, il faut voter Romano. Ouais, ouais. Et une chanson pour Cédric.
Ah, c'est fini. Bah, moi, je fais dans le cours, moi, tu vois. Ah, court, ah bah, ça, ouais. C'est court. Tap, ah, ouais. Ah, tu m'étonnes. On nous a déjà dit que tu faisais dans le cours. Bah, ouais, ouais. Tap, 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 tap. Cédric, quelque chose à dire, à part que t'as serré Fred et que t'as une invitation sur le premier coup de fil. Bah, c'est, t'as tout dit. Voilà, voilà. T'as tout dit, ma gueule. T'as tout dit, ma gueule. C'est pour ça qu'il faut voter Cédric. Parce que mon adversaire, lui, n'a rien fait, il commence à avoir la rage. Non, moi, j'ai rigolé avec Jean-Marie. Comme quoi? C'est pas le clash du rire, mon pote. KM Comedy Club, c'est un peu plus tard, hein. Là, c'était clash de la drague. Donc, pour ça, voter Cédric, c'est EDRIC, je vous aime très, très fort. À nous. À toi. Alors, mes amours, ce soir, comme vous l'avez entendu, il va falloir soutenir à la mort. Je compte sur toute la team Romano. On a bien rigolé avec beaucoup de fils quand même, c'était sympa. Oui, c'est vrai. Le mec ne comprenait rien. Jean-Marie était sympa. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Nique ta mère. Elle a pas aimé. Comme d'hab. J'ai envie de te dire, tant mieux. Eh bien, pour tout ça, votez Romano. R-O-M-A-N-O. La team Romano, ce soir, je compte sur vous comme jamais. Très bien. Hitler. Oh là. Bon, votez Romano, Cédric. C'est pour eux qu'il faut voter, c'est tout. Hein. Ah, ouais. Votez Cédric, ouais. Votez Romano, s'il vous plaît, mes amours. J'ai besoin de vous. Ah, on les a entendus tous les deux. Hein. Ah, allez, ouais. Cédric. Et Cédric, pour un clash de l'embrouille, t'aurais été number one. T'as vu un peu? Non, mais je te dis. Bon, alors vous votez, résultat dans un instant. T'es sur la chaîne Sly Guy. Et donc, tout de suite, résultat du clash. Attention, attention, suspense. Alors, putain, j'aimerais bien gagner, moi, en 2019. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien gagner ce clash. 51-49. Ouais, bah, c'est mal barré. Ah, alors, très serré. Ouais. J'aime les matchs serrés comme je ça. Je déteste vous avez... ces scores-là parce que c'est les scores où je me fais baiser. Ah, tu disais c'est vrai, ce soir-là. Ouais. Ah, fais pas caca dessus. Cinq... Non, je m'arrête, t'inquiète pas, je vois pas trop le caca, c'est moi. C'est ça. Ah. Bon, non, le caca, c'est vous. Oui. Voilà. Bon, les résultats, les voici tout de suite. Romano, tu fais ce soir 49%. Oh, non, ouais. Ou 51, ça dépend. Et Cédric, c'est pareil. Ouais, moi, j'aime bien, moi. 51, ça me convient, moi. Eh bien, écoute, ce sera peut-être pour cette année 2019, parce que pour aujourd'hui, c'est pour Romano, 51. Eh bien, 51 comme le pastis. Bravo, ouais, c'est bon, ça. Ou la champagne. Tu gagnes ton clash de la drague. Eh bien, merci. Encore une fois, très bonne année à toute ma team. Également une bonne année à la team Le Belge malgré tout. Bon, l'année commence mal pour vous, mais... Ouais, c'est pas grave, bonne année quand même. J'espère qu'elle finira aussi mal d'ailleurs. Et le retour de bonne année quand même. En direct, le clash, c'est lundi soir. Hein. Soyez là pour le premier clash live de cette nouvelle année 2019. Ouais. Je compte sur ma team. Bon, on va prendre notre compte. Je compte sur la mienne, tiens. J'ai bien compris.